Bonsoir à tous. Nouvelle clôture dans le rouge pour le CAC 40, affectée notamment par le repli des valeurs bancaires. Et on retiendra une séance difficile aujourd'hui pour Rémy Cointreau, malgré un chiffre d'affaires trimestriel meilleur que prévu. À la peine également les valeurs liées aux matières premières, à l'image d'Aperam et ArcelorMittal. Et à l'inverse, une très belle séance pour Soitec, portée par la révision en hausse de ses objectifs pour l'exercice 2018-2019. Air France KLM s'est également distinguée grâce au soutien d'un broker. Morgan Stanley a remonté son avis à surpondéré sur le titre en ciblant 12 euros par action. Et sous pression aujourd'hui, les valeurs bancaires, notamment BNP Paribas et Société Générale, qui inscrivent parmi les plus forts replis du jour. Les résultats décevants d'UBS ont jeté un froid sur le secteur. La banque a fait état d'un recul plus marqué que prévu de son bénéfice imposable ajusté au quatrième trimestre. Et la semaine dernière, l'avertissement sur résultat de la Société Générale avait déjà plombé l'ambiance parmi les analystes déjà prudents sur le compartiment. La banque a indiqué s'attendre à une baisse de l'ordre de 20% de ses revenus dans ses activités de marché au quatrième trimestre en raison de la forte volatilité sur les marchés financiers. C'est la fin de ce flash, je vous retrouve demain à 9h30.